on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier du jardin pour construire un abri à chiroptères. Les chauves-souris, vous pouvez en voir le soir, souvent au crépuscule, et elles sont très intéressantes pour nous. C'est pour ça aujourd'hui qu'on va essayer de favoriser leur présence dans nos jardins. Donc ici, nous allons essayer de construire du coup un gîte à chiroptères avec les différents éléments qu'on trouve ici. Donc pour, au niveau des outils, vous aurez besoin d'une scie à bois, d'un mètre, d'une équerre et d'une visseuse, ainsi que des vis. Et sinon, une planche de bois classique. De préférence, une classe de bois 3 qui résistera aux intempéries et si possible, qui n'a pas été traitée, qui favorisera la présence des chiroptères et qui n'impactera pas l'espèce. Les chiroptères sont très intéressants pour nos jardins étant donné qu'ils peuvent éliminer des nuisibles puisqu'ils sont insectivores, principalement en Europe. Ils sont aussi intéressants pour la pollinisation étant donné que certains se nourrissent de fleurs et de graines. Pour commencer cet après avec chiroptères, nous avons déjà besoin de deux morceaux de bois qui feront le dossier de notre abri afin de pouvoir l'attacher soit à un arbre, soit à un mur. Il faudra qu'il soit au minimum à 3 mètres de hauteur et maximum à 6 mètres. Une fois que nous aurons les morceaux de bois qui feront le dossier, nous aurons besoin du dos de l'abri. Les rainures sont utilisées afin que les chiroptères puissent du coup s'agripper avec leurs griffes dans le gîte afin de pouvoir hiberner, que ce soit temporairement ou pour leur hibernation. Nous allons alors les fixer. Une fois le dossier attaché à nos barres qui permettront de lui fixer un mur ou un arbre, nous allons pouvoir fixer les côtés. Les côtés permettent de déduire l'espacement qu'il va y avoir pour pouvoir laisser passer le chiroptère. Il faut savoir que les chiroptères sont très petits. La pipistrelle commune a environ une taille de 2 cm, donc un espacement de 2,5 cm à 2 cm est largement suffisant afin de lui permettre de pouvoir rentrer dans le gîte à chiroptères. Une fois le toit disposé sur notre gîte, nous allons pouvoir mettre le devant afin de conclure. Maintenant, notre gîte à chiroptères est fini. Je vais vous expliquer comment on peut favoriser la présence de chiroptères dans vos jardins ou autour de chez vous en tout cas. Déjà, afin de favoriser de la nourriture pour lui, vous pouvez déjà laisser des haies autour de chez vous qui sont très intéressantes écologiquement. Des points d'eau aussi sont clairement essentiels à la survie de cette espèce. Si vous avez des mares ou ce genre de choses, c'est parfait. Si vous pouvez éviter l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques pour vos jardins, ce sera bien pour l'espèce des chiroptères, mais aussi pour toutes les autres espèces qui sont bénéfiques à notre écosystème. Maintenant, vous savez tout pour protéger les chiroptères. À vous de les protéger et à la semaine prochaine pour un autre atelier du jardin.